Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un opium découverte avec un jeu sur Internet par navigateur, un browser game qui s'appelle Travian. Donc on va aller directement sur un compte que j'ai créé il y a quelques jours. Donc sur travian.fr c'est un c'est un speed en fait, un serveur speed, il y a plusieurs serveurs, des serveurs qui vont plus vite et des serveurs qui vont plus lentement. Donc là c'est un serveur qui va assez vite. Donc j'ai fait quelques, quelques, quelques modifications dans le village puisqu'il y a trois jours. Alors Travian, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un Brother Game, donc un jeu de gestion, de stratégie et de guerre dans lequel vous allez gérer des villages, des troupes et des ressources. Donc on arrive directement sur le jeu. Donc Comme vous pouvez le voir, les graphismes sont très très simples. On a un petit fond d'écran qui est fixe. Euh, bon, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas d'animation non plus. Donc bon, c'est comme ça depuis 10 ans, puisque ce jeu vient de fêter ses, ses 10 ans. Donc c'est un jeu qui, qui est quand même euh, assez vieux. Euh, il a beaucoup évolué. On est sur la version 4.4. Euh, Donc il y a eu de, pas mal de, de changements et d'ajouts de règles au fur et à mesure qui ont modifié un petit peu le gameplay, mais le principe reste le même. On gère des villages. Donc dans ces villages, déjà on commence euh, la, la partie avec un seul village dans lequel on peut faire quatre euh, types de ressources. Euh, ce sera comme ça pendant tout le jeu. Donc on a du bois, on a de l'argile, on a du fer et des céréales. Donc voilà, là j'ai euh, des champs donc en vert, ce sont le bois. Donc euh, par exemple, on peut lancer un champ de, de, de bois pour augmenter donc la, la production euh, horaire. Donc pour passer de 138 à 210 par heure. Et donc ça met 28 minutes pour faire euh, le bâtiment. Donc voilà, c'est pas des constructions qui sont instantanées. Et donc on voit notre production horaire euh, qui évolue au fur et à mesure de notre avancement. Euh, il y a donc trois peuples. Dans ce jeu, il y a les Romains, les Gaulois et les Germains. Donc les Germains sont plutôt des, un peuple offensif, avec des troupes qui sont pas chères, mais euh, pas très résistantes. Euh, les Gaulois sont plutôt défensifs, euh, avec des troupes euh, prévues pour, pour se défendre, en fait, parce que voilà, ça va être un jeu où on attaque et on se défend. Et les Romains sont, sont un mixte de des deux, en fait, et sont plutôt constructeurs. Comme l'étaient les Romains à l'époque, euh, puisque ici on va pouvoir faire deux bâtiments en même temps. Voilà, on va pouvoir faire un bâtiment ressources et un bâtiment dans le village. Alors que les deux autres peuples ne, ne le font pas. Alors par contre, les Romains vont avoir des troupes euh, plus chères, mais plus solides. Donc voilà, pour l'interface euh, des ressources, donc on a les quatre types de ressources. Et donc on a à l'intérieur du village euh, plusieurs bâtiments qu'on peut construire. Donc ça va euh, de la caserne. Euh, en passant euh, par euh, des dépôts, des silos, comme euh, dans beaucoup de, de jeux de gestion. Euh, on a un marché où on peut envoyer des ressources. Bon là j'ai qu'un seul village donc je ne peux pas m'envoyer de ressources. On a aussi euh, l'académie. Alors l'académie elle permet de, de créer des nouvelles unités. Donc par exemple je vais créer des, des prétoriens. C'est des troupes qui sont prévues pour la défense. Parce qu'il y a des troupes défensives et des troupes offensives pour chaque peuple qui sont, qui sont toutes différentes. Donc voilà, et là c'est pareil, il va y avoir un temps, un délai de construction, donc d'une heure pour faire pour développer l'unité des prétoriens. Et après je pourrais donc les construire dans la caserne. Puisqu'il s'agit d'infanterie. On a aussi de la cavalerie. Donc pour les Romains, ça va être des Equites Imperatoris ou des Equites caesaris. Donc voilà, chaque peuple a ses, a ses troupes, il y a plusieurs infanteries, plusieurs cavaleries, on a aussi des béliers et des catapultes. Donc les béliers c'est pour casser les murs des adversaires et les catapultes pour casser les, les bâtiments. Voilà donc c'est un jeu qui va être beaucoup basé sur la guerre et euh, sur la gestion de, des, des villages que l'on possède. Euh, le bâtiment principal va permettre de faire les bâtiments beaucoup plus rapidement en, en augmentant les, les niveaux. On a une ambassade puisqu'on n'est pas tout seul sur le jeu, on, vous allez le voir, euh, dans lequel on peut rejoindre donc des, des alliances. Euh, la forge ici où on peut faire euh, je, par exemple, j'ai monté un niveau de forge. Euh, la forge permet d'améliorer les armes et les armures des guerriers. Donc, quand ils attaquent ou quand ils défendent, ils sont plus, plus forts. Donc, voilà. Là, par exemple, je suis en romain, donc j'ai pu lancer deux constructions. Euh, je peux les compléter immédiatement si je veux, mais tout ça, ça va coûter euh, des golds, de l'or. Et qu'on retrouve ici, là, j'en ai 24. Donc, ça va être la monnaie euh, virtuelle du jeu euh, que l'on peut acheter, évidemment. C'est comme ça que Travian arrive à gagner sa vie. Donc voilà, les prix vont de euros pour 30 pièces d'or jusqu'à euros pour 1600 pièces d'or. Donc on n'est pas obligé de, de dépenser de l'argent, c'est pas un free to play, quoique ça peut y ressembler aussi. L'or va apporter beaucoup d'avantages, qu'on va retrouver ici. Non c'est pas ici. Si, voilà. Donc on a un club gold, un Travian Plus, un compte plus en fait qui va permettre d'avoir plus d'options Pour faciliter en fait l'ergonomie de jeu Donc ça c'est utile quand on est assez expérimenté et qu'on a besoin d'avoir les informations rapidement C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique On a aussi une hausse de la production du bois, d'argile, de fer et de céréales Donc voilà ça on peut les activer donc pour 5 pièces d'or pendant 3 jours 3 jours puisque je suis sur un speed donc ça va plus vite Donc c'est plus cher puisque voilà, il va y avoir des serveurs, là je crois qu'il y en a 8 ou 9 serveurs en cours. Donc les serveurs lents, eux, vont durer quasiment un an, on va dire 10 mois. Donc c'est des parties qui sont très très longues, alors que les speeds vont durer entre 4 et 5 mois. Donc c'est un jeu qui va demander énormément de présence, puisque c'est un jeu qui se joue vraiment en temps réel. Et H24. C'est-à-dire que quand vous vous déconnectez, comme beaucoup de jeux, eh bien, on peut venir vous attaquer, et, euh, et on peut venir vous casser vos troupes, vous, euh, prendre vos ressources. Donc, c'est un jeu qui va demander beaucoup de, de présence, euh, c'est ce qui va rendre un petit peu addict beaucoup de joueurs, et qui va euh, sûrement en dégoûter beaucoup d'autres, et qui en ont dégoûté beaucoup d'autres quand on se fait piller, euh, voilà, parce qu'on peut aller piller le voisin, mais on peut aussi se faire piller. Donc ça peut vite dégoûter en fait. Euh, donc pour ça on a une carte, on a une carte où donc on va s'afficher notre village au milieu. Et donc on a une, une carte qui fait euh, 800 cases sur 800 cases, donc c'est assez énorme. Et donc on a des voisins, on a Ricardix qui est juste à côté de moi, qui est Romain aussi. Et là, pas très loin, il y a Neve qui est Germain. On a aussi des, des oasis sur la carte que l'on peut capturer euh, avec euh, notre héros qui va nous augmenter en fait notre production. Donc par ici, c'est un oasis argile. Donc avec cette oasis, je vais pouvoir produire 25 de d'argile en plus. Donc ça c'est très très utile, c'est une bonne facette du jeu qui va permettre d'aller un petit peu plus vite parce que le but ça va être aussi une course et surtout d'aller plus vite que son voisin. Puisque pour pas être attaqué ou pour pour éviter d'être attaqué, en fait, il va falloir plus ou moins faire peur à son voisin. Euh, va être, euh, il va falloir être craint parce que lui il peut attaquer quand il veut Mais euh, dans ce cas là nous aussi on peut attaquer quand on veut hein. quand il est pas là on peut l'attaquer donc ça c'est pas un souci Donc euh, faut faire gaffe à qui qui c'est qui on attaque euh, quand on attaque puisque voilà le retour de bâton peut être euh, rapide Et on peut se faire carrément euh, détruire tout notre euh, tous nos villages euh, Et ensuite il euh, n'y a plus qu'à arrêter puisque on est plus dégoûté qu'autre chose. Donc au début du jeu, on a des quêtes, évidemment, comme beaucoup de, de jeux de ce type. Euh, des quêtes qui vont nous permettre euh, d'avancer un peu plus vite au début. Euh, ça a été pas mal euh, amélioré euh, depuis les versions 4 de Travian. Au début il y avait quelques quêtes, mais c'était assez basique et ça rapportait pas grand chose. Euh, devant la perte de vitesse euh, de la fréquentation en fait de ce jeu, je pense qu'ils ont amélioré ça pour permettre de faire des, des starts, euh, des débuts de partie plus rapides pour les pour les débutants. Donc voilà, ici là j'ai construit un mur d'enceinte, une mur en pierre pour les, euh, pour les Romains. Donc euh, ça va me porter des ressources en récupérant la, la récompense. Donc ici j'ai un seul village qui sont affichés ici à droite. Euh, on peut en faire plusieurs autres en créant, en construisant des, des résidences au niveau 10. Et ensuite en faisant euh, des colons. Il va falloir faire 3 colons pour aller euh, pour aller euh, coloniser. Donc euh, une, un autre emplacement. Donc comme vous avez vu, là les, mes champs, mes ressources, j'ai euh, 4 bois, 4 terres, 4 fer et 6 céréales. Et si je regarde sur la carte, en fait je peux aller coloniser un village qui est assez différent. Avec par exemple, euh, je vais pas cliquer sur la carte. Je peux aller coloniser. Qu'est-ce qu'il y a à côté On va aller voir. Ici, c'est la même chose, vous voyez un 4-4-4-6, donc 4 bois, 4 terres, 4 fer. Euh, ici, pareil, voilà. Ici, j'ai un 4 bois, 3 terres et 5 fer. Donc, euh, par exemple, je suis romain. Euh, les romains vont avoir beaucoup besoin de, de fer pour, euh, pour faire leurs troupes. Parce que les, les, les troupes consomment beaucoup de, de fer pour les construire. Donc, là, j'ai fait mes trois colons, j'ai préparé le, le petit jeu avant de faire cette vidéo. Et donc voilà, je fonde un nouveau village. Et ça va mettre 8 minutes donc pour arriver et coloniser euh, un nouveau village. Alors on peut aussi euh, priser, prendre les villages des adversaires. Et pour ça, il va falloir faire des, des chefs de tribu, des sénateurs. Euh, donc les constructions vont être très longues et très coûteuses. Mais ça va permettre donc d'attaquer ses voisins et de carrément euh, prendre leur village. Alors, c'est pareil, hein, on peut aussi se faire prendre nos villages, on peut aussi se faire prendre nos oasis. Et quand on n'est pas là, évidemment, c'est souvent comme ça que ça arrive. Euh, en pleine nuit, on peut se faire euh, catapulter son village sans problème, ça arrive très souvent. Donc on reconstruit, euh, voilà. Bon, on n'est pas obligé d'utiliser des golds, mais bon, comme toujours, sans gold, c'est un petit peu plus long. Donc ça va demander encore beaucoup de, de présence sur ce jeu. Donc comme je vous disais, on a un héros. Donc ça aussi, ça a été pas mal amélioré par rapport aux versions précédentes. Donc là, on a carrément un, un cara design avec euh, des objets que l'on peut acheter, et des objets qui nous permettent euh, d'améliorer aussi euh, la force du héros, puisqu'avec ce héros, on va pouvoir euh, le mettre avec nos troupes, et ça va euh, augmenter la force de nos troupes euh, entières. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et euh, ça n'existait pas avant, il y avait juste un bonus offensif et un bonus défensif, et c'était tout. Maintenant, on peut vraiment l'habiller avec des objets. Les objets, on peut les avoir euh, soit dans des aventures. Donc notre héros, euh, on envoie notre héros sur des, une aventure et il nous ramène des objets euh, au hasard. Donc ça on choisit pas. Et sinon, on peut aussi les acheter dans des enchères. Donc dans les enchères, on a tous les tous les tous les items que l'on peut acheter. Donc des casques, des armures, euh, des objets main gauche, des objets objets main droite, pardon, des bandages qui nous permettent d'économiser certaines troupes quand on attaque. Enfin toutes sortes d'objets. Et tout ça, ça se paye en pièces d'argent. Donc des pièces d'argent que l'on retrouve ici, là j'en ai 1438. On peut les on peut les convertir comme vous voyez dans un centre d'échange. Donc je peux échanger une pièce d'or contre contre 100 pièces d'argent. Ou je peux faire aussi l'inverse, 200 pièces d'argent contre une pièce d'or, donc c'est pas le même taux. Donc faut pas faire n'importe quoi, faut essayer d'économiser ces golds ou, ou pas suivant le porte-monnaie que l'on a pour jouer à ce jeu. Alors il y a des. C'est un jeu de stratégie, donc il y a des, des alliances. Euh, là pour l'instant j'ai pas d'alliance. On me l'a proposé dans un, dans un message un... un gentil monsieur qui est venu me voir pour me dire qu'il aimerait bien m'avoir dans son alliance. Donc, euh... donc voilà, on peut rentrer dans des alliances. Il faut quand on est tout seul sur ce jeu, c'est assez dur, donc il vaut mieux. C'est inévitable d'aller dans une alliance et de connaître un peu plus de gens au fur et à mesure. Euh, puisque Travian ça va être quand même une, une grosse communauté autant dans certains jeux il n'y a aucune interaction avec les joueurs euh, aucune communauté autant là Travian c'est vraiment un, un jeu avec une très grande communauté et une très grande interaction avec les autres joueurs même si on ne leur parle pas eh ben, on peut aller les attaquer euh, et eux peuvent nous attaquer donc c'est vraiment interactif donc c'est donc c'est pas trop grave non plus euh, que ce jeu soit assez simple et très peu très peu animé vous voyez, les graphismes sont, sont très basiques, mais le gameplay est vraiment excellent. Il y a, il y a énormément de, de techniques de jeu. On peut jouer défensif, on peut jouer attaquant. Euh, voilà, c'est très très varié. Euh, chaque partie va être différente, donc euh, on s'en lasse, on s'en lasse pas forcément, pas tout de suite, en tout cas pas avec les, les premiers villages, puisque c'est vrai qu'à partir de quelques villages, on va commencer à faire toujours les mêmes manipulations en fait, toujours les mêmes clics. Voilà, on augmente le dépôt, on s'envoie des ressources, on construit des troupes. Voilà, ça va être un petit défaut du jeu, ça va être la, la répétitivité du gameplay. Mais sans ça, on peut vraiment, vraiment s'amuser à aller attaquer les autres, à aller emmerder les autres et jouer en alliance pour, pour, faire, pour faire une partie qui, qui casse tout, quoi, avec, avec des amis. Le but final, puisqu'il y en a, un, puisque les serveurs ont une fin, comme je vous ai dit, là les speed durent 4 mois environ, les serveurs normaux... Serveur lent dure une dizaine de mois, et eh bien il faut construire une merveille. Donc voilà, il y a 13 merveilles sur le jeu, et donc euh, une, un joueur va prendre une merveille et donc essayer de construire euh, la merveille au niveau 100. Donc ça va être très très long et surtout ça va coûter très très cher. Euh, il va falloir la défendre puisqu'on va pouvoir euh, les autres vont pouvoir la détruire ou l'endommager, casser le village, reprendre, repriser la merveille de, de son adversaire. Donc c'est une course, euh, c'est un c'est un jeu de, de de guerre, de combat. Euh, on attaque beaucoup. Il y a des opérations qui sont communes avec d'autres alliances, d'autres joueurs. Donc on n'y va pas tout seul en général, on y va à plusieurs. Donc c'est un jeu qui est très communautaire, euh, qui est vraiment excellent. Vous voyez, il y a plusieurs euh, plusieurs alliances. Euh, il y a plusieurs alliances, voilà les 42 joueurs, la première alliance 57, donc voilà. Il y a un top 10 aussi, euh, des classements attaquants, des classements défenseurs, et donc le top 10 euh, qui change toutes les semaines, avec le meilleur attaquant de la semaine, le, celui qui évolue le plus, là c'est pour les alliances. Euh, il y a aussi un classement top 10 pour les joueurs, euh, les meilleurs défenseurs et les meilleurs euh, pilleurs, voilà, ça c'est ceux qui prennent les ressources à leurs voisins, euh, oui, parce qu'on peut prendre les, les ressources à, à ses voisins à, en allant piller. Carrément. Donc voilà, ça s'appelle Travian. Euh, moi, je suis un grand fan. J'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu, donc euh, j'ai pas envie d'en dire du mal parce que c'est vrai que voilà, j'ai passé beaucoup de temps. C'est un jeu que je vous conseille, mais qui, qui, qui va vous prendre beaucoup de temps quand même. Euh, voilà, c'est très prenant. Euh, soit on aime, soit on n'aime pas. Euh, c'est vrai que si on a du temps, euh, on peut vite s'investir et vite devine, euh, vite devenir accro. Donc, euh, donc voilà, sinon vous pouvez faire des serveurs lents qui sont qui sont plus euh, qui sont plus longs, et euh, ça se joue un peu moins vite. Mais le gameplay reste exactement le même, on peut vous attaquer quand vous n'êtes pas là, donc ça change pas vraiment grand chose. Ça va être juste dans les constructions qui vont être plus longues à faire, donc voilà, vous aurez plus le temps d'aller dormir, puisque sur Travian, plus on dort, plus on est mort, comme on dit. Puisque voilà, il y a des temps d'attente pour, pour construire chaque chose, chaque bâtiment, chaque troupe, il faut il faut attendre. Donc ça force à rester sur le jeu, à revenir sur le jeu sans cesse. Donc voilà, c'est un jeu qui, va, qui demande beaucoup de, de temps. Donc j'espère que je vous aurai donné envie euh, de jouer, ou au moins d'essayer, ce, ce petit jeu très sympa, ce browser Game, qui a été élu plusieurs fois meilleur browser Game euh, de l'année. Euh, c'est un jeu qui est édité par euh, Travian Game, euh, qui avait été créé à la base par euh, Gameforge, et qui a été racheté ensuite, la licence a été rachetée par Travian Game. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Opium Découverte, un prochain jeu sur internet, un Bowser Game ou un Free To Play, on verra. Je vous dis à bientôt. Ciao.